La République démocratique du Congo vit-elle une crise que l'on peut observer et qui transparaît à travers notamment le dernier discours tenu par les chefs de l'État le 28, j'allais dire le 23 octobre dernier, au cours duquel le président de la République s'est plaint des divergences qui règnent entre lui et le FCC qui serait en train de mettre le bâton dans le roue, justement, pour que sa vision ne soit pas mise en exergue. Réponse du berger à la bergère, à l'issue de la retraite politique, le FCC prend un communiqué qui dit dénoncer toute tentative de recomposition de la majorité parlementaire pour la plateforme dirigée par l'ancien président de la République, Joseph Kabila. L'alternative à cette option reste celle pour toutes les parties prenantes, aller aux élections anticipées notamment, et donc pour le Front commun pour le Congo. Lui, il dénonce aussi les menaces des dissolutions de l'Assemblée nationale et rejette toute responsabilité dans le blocage actuel de la coalition FCC-CACH. La plateforme s'est dit également favorable à l'organisation des élections, je l'ai dit, anticipées, des élections générales donc anticipées, à tous les niveaux. Alors pour le président de la République, lui, la solution passe plutôt par les consultations qui aboutiraient à l'union sacrée pour la nation. Entre-temps, comment vit le pays, comment vit la RDC, quelle est la situation sociale et économique? Est-ce que cette difficulté que vit le Congolais passe-t-elle par cette crise? Les réponses, nous les aurons tout de suite dans ce numéro de plateau spécial avec notre invité. Vous êtes un téléspectateur de haute facture. Merci à vous d'avoir choisi une fois de plus la hauteur et la qualité. Et pour démarrer ainsi, nous avons cherché pour vous ce jour Hubert Kabasu Babou. Bienvenue. Merci beaucoup. Il faudrait rappeler que Hubert Kabasu Babou est politologue, chercheur et libre penseur, également écrivain, gouverneur honoraire, mais également cadre du FCC. Non, je ne suis pas cadre du FCC. Je suis libre penseur, mais j'ai une intersection, je vais dire, politologique ou d'intellectualité avec les FCC dans la mesure où je dis que je suis kabylologue. Ça veut dire que quand on dit kabylologue, les gens sont effarés, sidérés, mais c'est aussi simple que une simple démarche, une tentative de théoriser. Ça veut dire de comprendre scientifiquement l'action d'un acteur politique. C'est comme aux États-Unis, il y a des politologues qui sont experts dans les accomplissements, les leaderships de George Washington ou de Abraham Lincoln, pour comprendre en termes de matériaux scientifiques quelle est l'intelligibilité de cette action-là. De telle manière que si vous allez à Yale, vous allez à l'université d'Harvard ou à Oxford, on vous demande qu'est-ce qui se passe chez vous, que vous soyez en mesure d'expliquer cela en puisant dans la théorie de la science politique. Alors, Kabasu Babou, je ne suis pas seul, je suis accompagné de José Mfoutila. Bienvenue. Merci beaucoup pour Et l'invitation. vous allez m'aider à bombarder des questions à Kabasu Babou. Justement pour avoir une bonne émission. Voilà, alors il faudrait rappeler que vous êtes des Siloé Télévision. Tout à fait. Ça se passe bien là-bas? Très bien. Ok. Plateau spécial, madame, monsieur, c'est parti avec la première question à Kabasu Babou. Est-ce que la RDC, bien que je l'ai affirmé, ça c'était moi, la question je vous la pose, la RDC est en crise? La RDC est en crise, une crise qui couvait déjà depuis longtemps, parce qu'ici, il faut entendre par crise une disjonction ou une rupture entre une demande politique et une offre politique, ou entre une offre politique et une demande politique. Il y a des politologues qui considèrent, qui proposent le paradigme économiste, pour ne pas dire économique, dans la compréhension ou dans le captage de phénomènes politiques, pour dire il y a équilibre. Parce que quand on dit il y a crise, ça veut dire qu'il y a déséquilibre, il y a rupture. Et donc il y a équilibre, il y a balance lorsque l'offre politique rencontre une demande politique. Mais il y a également crise politique réduite lorsque les institutions, dans leur fonctionnement, dans leur interaction
dans leur totalité comme système, ne parviennent plus à émettre sur la même longueur d'onde et leur interaction est rompue. Aujourd'hui, on se rend compte, et d'ailleurs, on l'a découvert hier avec le fait que la présidence de la République, de manière tout à fait irrégulière et cavalière, un directeur de cabinet a ordonné que de ministres de la République ne voyagent pas alors qu'ils sont munis de leur ordre d'émission, dûment signé par un premier ministre qui est en fonction. Donc, il y a crise politique et comme libre penseur, et surtout, j'ai toujours souligné que je ne suis pas analyste politique, je suis libre penseur écrivain, mais surtout d'une intellectualité que Michel Foucault appelait catascope. Ça veut dire que la société a besoin des intellectuels qui captent ce qui se passe maintenant en rapport avec les passés pour dire qu'est-ce que la société peut devenir demain. Donc, nous sommes en crise et nous devons avoir une lecture intelligente, objective de cette crise pour amener les acteurs politiques, mais également la société, parce que la société est également, je veux dire, concernée, pour avoir des solutions idoines. Alors, la thématique, justement, à Joseph Foutila, c'est divergence FCC cash, conséquences économiques et sociales et pistes de solutions. Alors, justement, Hubert Kabasubabou, avant d'aborder l'angle politique, on aimerait d'abord savoir comment vivent les citoyens lambda. Aujourd'hui, si vous revenez de peindre un tableau socio-économique de la RDC, comment allez-vous procéder? Non, mais écoutez, moi, en toute humilité, entre autres études, j'ai été formé à l'Université d'Harvard, au Kennedy School of Government, dans ce qu'ils appellent en anglais « driving government performance », ça veut dire le pilotage de la performance du gouvernement. Et donc, il y a les données, des metrics, des données quantitatives, des experts internationaux, des institutions internationales crédibles qui démontrent qu'il y a eu une forte contraction qui n'a pas commencé, retenez-les bien, qui n'a pas commencé avec Covid, une contraction de l'économie qui a commencé déjà en 2019 par une gouvernance artisanale que l'on a observée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je le dis en tant que scientifique et en tant que quelqu'un formé au plan international en cette matière de planification stratégique, on n'a pas encore une vision canonique, ça veut dire une vision ambition, qui, par exemple, aurait un référent ou des référents quantitatifs en ce qui concerne l'amélioration de la situation de citoyens. Le président a implémenté son programme des 100 jours. Et puis, il y a un programme majeur que les gens ignorent jusqu'à aujourd'hui, pour lequel les présidents de la République et la présidence ne nous ont jamais rendu compte. Les présidents avaient clamé vers Kimwenza là-bas, lac de Mavallée, un programme de la réduction de la pauvreté, rappelez-vous. Et puis, avec Covid, il y a eu un programme, je crois, multimodal pour la lutte contre les effets, etc. Le président de la République n'a jamais rendu compte. Moi-même, j'ai conçu, en fait, les termes du séminaire entre le président de la République et les gouverneurs. Il avait dit dans sa propre bouche que on va commencer à évaluer les gouverneurs tous les trois mois. Et ça fait 2 ans que le président de la République est là. Il n'a jamais eu une seule conférence des gouverneurs. La situation, au regard des indicateurs donnés par les organismes internationaux, la situation est extrêmement inquiétante. Et comme vous le savez, les dollars contre le franc congolais aujourd'hui nagent dans les 2000 quelque chose. Cela avait été déjà projeté notamment par Congo Challenge, un think tank impeccable, l'un des think tanks crédibles sur le plan international que nous avons aujourd'hui, l'ancien premier ministre de Matata, et avait déjà démontré il y a, je crois, 4-5 mois qu'on allait en arriver là. Et on avait demandé qu'il y ait réduction de charges de gouvernement, qu'il y ait réduction de la taille du gouvernement, que les gouvernants fassent preuve d'esprit de sacrifice. Dans d'autres pays, en Afrique du Sud, au Botswana, les gouvernants ont réduit même leur salaire de moitié pour réaliser des gains qu'on peut affecter à réponse aux besoins sociaux. Et donc, les prix des biens sur le marché, c'est la même chose. On continue à tuer les gens à Beni, alors que le président de la République est devenu président aussi dans son programme, en vertu de sa promesse d'aller s'installer à Goma ou de mettre les quartiers généraux à Beni. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas que la situation socio-économique qui se dégrade, encore qu'hier, je crois, le ministre des Budgets, Mayo, a démontré qu'on a clôturé le mois d'octobre avec un déficit de 27 milliards de francs congolais. Et ce déficit, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, c'est depuis l'année passée, avec beaucoup de dépassements des budgets au niveau de la présidence de la République. Alors justement, les tableaux sont sombres, selon vous, vous venez de le dire. Qu'est-ce que Kabila a laissé que Tshisekedi n'a pas pu maintenir? Ça, c'est une question pertinente. Je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, aurait dû commencer... Sur le plan socio-économique. Oui, oui, aurait dû commencer, justement, au lieu d'aller dans les consultations, il aurait dû organiser un séminaire, d'abord de la présidence, d'abord de l'UDPS. Parce que l'UDPS a aussi
l'obligation de rendre compte à la population pour dire, moi, UDPS, voilà 2 ans, je suis au pouvoir, voici comment j'ai fonctionné, voici comment je peux réorienter, parce que c'est encore possible. Hein. Moi, je dis que ce n'est pas encore une catastrophe, on peut réorienter. Maintenant, qu'est-ce que tu sais que Kabila a fait? Non, en toute honnêteté... Non, pas qu'est-ce que Kabila a fait, mais qu'est-ce qu'il a laissé. Bon, voilà. Prenons un exemple concret. Joseph Kabila a laissé, parce que si vous parlez de la réponse de l'État aux besoins de sociaux, l'indice scientifique, pas les blablabla des gens en dessous d'un manguier ou des supputations, l'indice scientifique que tout le monde, les gens sérieux utilisent, c'est l'indice de développement humain, parce qu'il fait la synthèse des allocations pour la santé, des allocations pour l'éducation, la pauvreté, etc. L'indice de développement humain sous Kabila est passé de 0,220 en 2004, en 2001 je crois, a été doublé de 0,220 à 425 je crois en 2018-2017. Donc l'indice a été doublé. Et d'ailleurs, la quantification, les métriques sérieuses démontrent même que cette situation est démontrée aussi par l'amélioration de l'espérance de vie qui est passée, je crois, de 48 ans à 59 ans. OK ? Ça, c'est le premier indice. En 2019, le Congo a perdu 3 places en ce qui concerne les classements d'indice de développement humain. Donc, l'indice de développement humain, c'est un acquis, un accomplissement majeur du régime de 2001 à 2018. Objectivement, scientifiquement, pas des blablabla, des inepties en dessous des manguiers. Ça, c'est un. De deux, mais le taux d'échange, on l'a laissé, je crois, Joseph Kabila l'a laissé, je crois, à 1600 ou 1650, 1790. Aujourd'hui, on est parti à 2020. Pourtant, l'alarme a été sonnée. Mais Joseph n'avait pas la Covid à l'époque. Non, mais attendez. Mm-hmm. Attendez. Parce que la Covid a frappé tous les pays de la planète. Mais attendez. Mm. Avant que Covid n'arrive au mois de, disons, au Congo, ça s'est aggravé vraiment au mois de, disons, au mois d'avril, mai. Mais il y avait déjà des déficits énormes, des trésoreries dans le premier trimestre. Et même qu'en 2018, ou début 2018, ça c'est le troisième élément, les réserves d'échange à la Banque centrale étaient laissées à plus d'un milliard. Joseph Kabila a trouvé 50 millions de dollars américains de réserves d'échange, moins que 60 millions de dollars en 1960, monsieur le journaliste et cher frère. Il a laissé 1,3 milliard de dollars. Et d'ailleurs, sous Matata, qui honnêtement, scientifiquement, vous pouvez monter, descendre, c'est scientifique, c'est établi. Si vous allez à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, ils vont vous dire la même chose. Si vous dites le contraire, ils vont vous rire sous le nez. Bonnet. La meilleure performance économique de toute l'histoire du Congo, c'est entre 2012 et 2014. Plus ou moins, on a eu un taux de croissance de plus de 9,3%. La performance n'a pas été maintenue. Malheureusement, bon, enfin, il y a eu plusieurs facteurs, notamment, je veux dire, l'oxydation des prix des matières premières vers 2015, 2016, mais également la grande oxydation, je veux dire, d'instabilité politique à cause du fait que les élections n'avaient pas été réalisées en 2016. Et donc, 1,3 milliard de réserves d'échange qu'elle a laissées, et vous savez, vous et moi, et vous le savez mieux que moi, que le procès du détournement de deniers publics alloués au programme de 100 jours du président de la République, on a tripatouillé là-dedans pour sortir plus de 2 millions de dollars. Et les experts ont dit que... Dans ses réserves. Oui, oui, oui. Et ça a aussi contribué, je veux dire, à l'altération de prix de biens sur le marché. Il y a des experts qui ont dit cela. Aujourd'hui, on est à moins de 700 millions de dollars de réserves, 600 millions de dollars peut-être. Et même la Banque mondiale et le Fonds monétaire national commencent à devenir un peu... sceptiques, parce qu'il y a incapacité d'actionner la production de richesses nouvelles. Alors, donc, on ne peut pas dire que le président de la République est arrivé dans des conditions. Il a trouvé un État en meilleur état que Kabila ne l'avait trouvé. Parce que c'est rarissime, ça c'est scientifique, c'est technique, c'est objectif. C'est rarissime dans un pays africain, d'abord, un, qu'il y ait alternance, mais de deux, que celui qui arrive au pouvoir trouve le système de production, le système financier opérationnel au point d'avoir comme disponibilité plus de 400 millions de dollars pour financer son programme. Alors, est-ce que justement, vous avez là peint la situation, il a posé une très bonne question,
ce qu'on n'a pas pu maintenir. Est-ce que maintenant les divergences, puisque nous parlons de ces divergences et dégager les conséquences ainsi que les pistes de solution, est-ce que ces divergences telles qu'énumérées par le président de la République le 23 octobre dernier et les divergences également énumérées dans le communiqué final du FCC peuvent avoir également contribué, pour ne pas dire, sont-elles à la base? Non, mes frères, je répète encore, je ne suis pas du FCC. Et moi, je suis libre penseur, je suis transcendantal, donc c'est difficile que j'appartienne au FCC ou à un mouvement politique. Mmh. Et aux États-Unis, vous allez trouver des professeurs d'université. Samuel Huntington était conservateur, mais il n'était pas du Parti républicain. Francis Fukuyama est un intellectuel conservateur, mais il n'est pas du Parti républicain. Moi, je suis plutôt... Le fait que j'étudie, je vais comprendre, je vais théoriser, je vais conceptualiser l'action de Joseph Kabila m'amène dans une interaction ou dans une intersection avec l'FCC. Mmh. Je voudrais dire ceci. Le président de la République aurait dû avoir, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un frère, je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais été dans les sillages de son microcosme sociologique, mais je vois quand même que c'est quelqu'un de cohérent. Il aurait dû dire la vérité à la population. Le président de la République n'a pas dit la vérité. C'est un homme, il n'est pas parfait, il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, mais il aurait dû dire la vérité. Vous savez, moi, pour avoir vécu longtemps avec les Américains, non pas aux États-Unis, mais moi j'ai grandi pratiquement avec les Américains ici, les missionnaires presbytériens, les corps de la paix, les diplomates, etc. Les Américains, s'ils sont très avancés aujourd'hui, c'est aussi grâce à un paradigme qu'on appelle systems thinking, la pensée, la réflexion ou le sens de la cognition. Pour capter la réalité et élucider sa vérité, les Américains ont conçu ce qu'ils appellent le systems thinking, penser la réalité, le phénomène politique dans sa complexité comme un phénomène. Et quand vous pensez comme cela, il y a d'ailleurs un des experts, c'est Derek Cabrera, qui parle de DCRP. DCRP, c'est pas les DCRP, je dis la Banque mondiale. Hein, ouais. DCRP, c'est en anglais, ça veut dire... Quand votre esprit capte la réalité devant vous, il y a quatre éléments qui se passent, ou quatre dynamiques qui se passent. En anglais, on appelle ça distinction, c'est-à-dire vous distinguez les composantes d'une réalité complexe. La réalité FCC cache d'une réalité complexe dans une autre grande réalité complexe qui est la politique congolaise. Et il y a les systems, DCRP, Distinction, Systems, Relations and Patterns. System, c'est de dire quelles sont les composantes. Vous voyez, je vous dis quelles sont les relations entre les composantes. Le P, là, le P c'est le pattern, le perspective, le mode opératoire. La problématique fondamentale ici, c'est que nous, en tant que société, on ne peut pas réduire, il est aberrant et fallacieux de réduire l'infécondité gouvernementale ou étatique au seul FCC. Ça n'a pas de sens. Non, moi, je parlais des divergences. Non, mais attendez, j'arrive là-bas. Oui. Donc, nous, en tant que société, vous, en tant que journaliste, les académiciens, non, le président, nous pensions que vous, avec l'opposition de 36 ans, vous veniez avec un autre paradigme intellectuel. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le président et son système ne nous ont pas encore proposé un paradigme intellectuel, ce qu'on appelle en anglais « theory of change », pour que nous nous comprenions nous-mêmes différemment de la manière dont Kabila nous a fait comprendre nos problèmes et nos réalités. Il n'a pas encore présenté ça. Il fait que puiser dans l'arsenal lexical de son père, pour dire « état des droits, peuple d'abord ». Le président, c'est qu'il n'a pas encore sorti un concept majeur de lui-même qui nous propose, qui nous donne un autre regard sur nous-mêmes et sur le monde. J'arrive. Il est sorti des entrailles de son père. Mais regardez Joseph Kabila, il est sorti des entrailles de son père, il a grandi dans un foco, dans un maquis révolutionnaire, mais il est venu avec des choses différentes. Il a même remis en question la politique économique de son père. Son père était dirigiste, un seul taux d'échange, donne le monopole du diamant à quelqu'un. Il est venu, il a brisé tout ça. Pas accepté San City, chassé Massiré. Il est venu, il a remis ça en question. Il a même chassé les caciques. Bon, je reviens maintenant je voudrais donner une valeur ajoutée. Vous savez, communiquer, ce n'est pas simplement envoyer, transmettre un message, un pacte. Non, communiquer a une fonction développementale parce que communiquer, c'est aussi de la pédagogie pour que les gens comprennent. Nous devons nous comprendre, Congolais, dans le système de pensée systémique. Nous devons comprendre vraiment en tant que système. Quelles sont les relations, quelles sont les composantes? Les divergences. Mais moi, le FCC a démontré que ce que le président de la République dit n'est pas vrai. Le président de la République est resté plutôt constant dans son incapacité de se conformer aux accords. Je vais vous le démontrer. Ne parlons pas de Genève. En fait,
Comme Paulette Bachmann a dit, que le, enfin, je ne sais pas si c'était vrai, que le président serait en train de se suicider. C'est vrai. Oui. Mais moi, je ne parlais pas de suicide. Le président est en train de... Il a une sorte d'auto-strangulation par plusieurs accords, plusieurs engagements contraires. Voilà la divergence. Ils ont signé, si je mens, que les gens du président viennent ici pour dire le contraire. Dans leurs accords qu'ils ont signés avec Joseph Kabila, le président, tout en sachant qu'il avait promis déjà à Kamere qu'en 2023, c'est Kamere qui serait candidat président, mais le président Félix, dans leur accord avec Kabila, a encore, s'est encore engagé pour dire « je vous soutiens, vous, ou quelqu'un de vous, pour 2023 ». Là, c'est une exclusivité. Oui, mais alors, on change de cet accord. On l'a jamais dit. Ça, c'est des 1. Oui. Donc, ce que nous voyons là, c'est comment le top de l'iceberg. Ça, c'est des 1. De 2, il s'est fait, ça, ce sont des gens qui étaient dans ces réunions-là. Il s'est fait maintenant qu'après, le président arrive au pouvoir. Bon, il avait signé ce qu'il avait signé parce qu'il devait être au pouvoir, tout ça. Vous voyez, quand vous êtes au pouvoir, on commence à vous poser des conditions, vous acceptez. Maintenant, il arrive au pouvoir, il trouve que c'est bien, etc., etc. Maintenant, il a d'autres idées. Dans leurs négociations là-bas, ils commencent à dire aux gens, aux gens qui vont dans leur rencontre en Syrie là-bas, que non, ils commencent à penser qu'ils devraient revenir sur cet engagement-là. Lui, il voulait être candidat en 2023. En tout cas, vous ne répondez pas à ma préoccupation. Non, mais c'est la divergence. Je vous en prie. Non, mais c'est la divergence. Je vous en prie. Non, mais attendez. Je vous en prie, Kabasoubabou. Je vous en prie. Laissez-moi vous relancer. Laissez-moi vous relancer. Oui, allez-y. Là, vous entrez dans le contenu des divergences. N'était pas là ma question. Ma question était celle de savoir est-ce que ces divergences que vous connaissez, que vous êtes en train d'étayer ici, est à la base du marasme économique dont nous parlons. Mais oui, par ricochet, je vais vous donner un autre exemple. Mm-hmm. Le président, par émotion, apprend que Tunde Kassende a fait, je ne sais quoi, a envoyé une lettre, ne s'est pas discuté au Conseil des ministres. Oui. Le président se met debout en plein Conseil des ministres, il quitte. On dit non, il avait quelques préoccupations. Oui. Et puis le lendemain, on arrête Tunde Kassende, et puis le président dit il ne veut plus voir Tunde Kassende. Bon, le FCC s'incline, on sort. L'FCC fait entrer une proposition de nomination. Trois mois après, l'FCC dans leur réunion demande, bon, mais, monsieur le président, mais qu'est-ce qui se passe? On vous a donné les noms, ça fait trois mois. Qu'est-ce qui se passe? Le président a dit, oh non, pour que j'accepte ça, vous aussi, vous devez reconnaître les magistrats. Non, mais c'est des choses différentes. Voyez-vous, les divergences sont là. C'est ça les divergences fondamentales que le président ne veut pas dire. Parce que la divergence, mon cher ami, je vais vous donner, laissez-moi vous donner des éléments de délectation intellectuelle qui vous donne une idée d'une vraie divergence. La vraie divergence doit être intellectuelle et idéologique, même dogmatique. Moi, j'ai toujours eu à l'esprit la vraie divergence qu'il y avait entre les mencheviks et les bolcheviks, dont le parti socialiste russe. Hein, les mencheviks qui disaient non, l'État russe n'a pas encore atteint les niveaux de développement industriel qui rendraient possible, parce que la révolution ne peut découler que des contradictions qui sont générées par le capitalisme dans une société qui est déjà industrielle. Parce que, n'oubliez pas, que le marxisme a été inventé, le communisme a été inventé par Karl Marx, dans l'observation de l'Angleterre à Londres, en pleine effervescence, en pleine éclosion de la révolution industrielle. Et donc, et maintenant, les mencheviks disaient, on ne peut pas créer une révolution, on ne peut pas faire une révolution parce que la Russie est encore agraire. Et les bolcheviks de dire, même si la Russie est encore agraire, nous devons mobiliser les gens pour organiser une des révolutions de manière délibérée. Voilà une contradiction majeure. Ici, il y a quelle contradiction? Il n'y a aucune contradiction. Le président de la République ne peut pas pointer du doigt une seule idée fondamentale. C'est de lui que vient la crise. Oui, attendez. Non, je donne les matériaux qui permettent aux gens de réfléchir froidement. Citez-moi un seul exemple d'une idée ou d'un concept que le président met sur la table et les autres disent non, ce concept-là, il est antinationaliste, il est un peu. Non. Le président de la République ne peut pas dire non, je voulais acheter des hélicoptères de combat pour aller combattre, amener l'armée à vaincre là-bas. Et le FCC a dit non, on n'accepte pas. Le président de la République ne peut pas dire non, je voulais construire l'autoroute de Kalambambouji à, je sais pas, Drodo. Et le FCC a dit non. Le président de la République a lancé les programmes des 100 jours de manière anticonstitutionnelle. Moi, je reproche au FCC le fait que c'est à ce moment-là que le FCC aurait dû taper du poing sur la table. Non, ça c'est anticonstitutionnel. Quand le président de la République a sorti une lettre pour dire que pour émasculer en fait le gouvernement Tshibala, c'est alors que le FCC aurait dû taper du poing sur la table. C'est ce que moi je reproche au FCC. Le FCC a voulu cajoler, maintenant voilà ce que ça. Tout à fait. Voilà, puisqu'il y a crise. Donc, divergence, oui. Les véritables divergences, c'est dans la constance de l'inconstance du président. Scientifiquement parlant. Donc c'est lui, parce que l'auteur de la crise, c'est ça? Non, il est le nœud gordien de la crise. Il est véritablement le nœud gordien de la crise. Regardez, Genève, il a fait volte-face. OK?
Je suis allé à Nairobi, il a promis à Cameroun, parce que maintenant, je parlais plutôt du président comme le Négordien. Il a promis à Cameroun, tout en sachant qu'il a promis à Cameroun qu'il va le soutenir en 2023. Voilà qu'il va à Kingakati. Non mais allez. Il faut dire ça. Allez. Non. Kabasubabu, vous dites qu'il est le Négordien, oui. Hein, c'est vous qui le dites. Vous dites qu'il a promis à Cameroun. Et il va à Kingakati pour promettre, alors que Kingakati savait très bien qu'il y a eu cette alliance entre Kamere et Fatih, Félix-Antoine Tshisekedi, pour qu'il le soutienne en 2023. Oui. Alors que FCC a quand même accepté à nouveau ce que vous dites là, un nouveau contrat où il va soutenir la FCC. Il faut pourquoi dans une crise, c'est les deux parties qui sont responsables. Non, il faut réaliser. C'est le FCC qui est venu casser la porte de Nairobi en quelque sorte. Il faut réaliser ceci. Dans le champ politique, la compétition du pouvoir, ok, le FCC, il faut réaliser que le FCC a donné à Félix Tshisekedi, à l'UDPS et même à la République, au Congo. Et moi, comme Kassayen, Loulouwa, Demoulou, je pourrais dire aussi au Demoulou, parce qu'en parenthèse, il ne faut pas oublier que la seule fois dans l'histoire du Congo où on s'est retrouvé début 2019 avec un président de la République, Moulou Balou Bilanji, du Kassai oriental, de l'UDPS, président de la République, et premier ministre Moulouba Loubilanzi, de l'UDPS, du Kassai oriental, c'est rarissime. Maintenant, les gens de la différence entre la démarche politique, l'offre politique du FCC, et l'engagement avec Cash, et avec Vital Kamerhe, c'est que Vital Kamerhe n'a pas donné le pouvoir, enfin, n'a pas contribué de manière significative à l'acceptation du pouvoir de Tshisekedi. Le pouvoir de Tshisekedi a été remis en question par l'Union africaine avec Kagame en tête. Ce n'est pas l'UDPS qui est allé à Kigali pour aller dire à Kagame, c'est que vous faites d'avoir créé des problèmes au Congo. Ce sont les gens du FCC, c'est les Kalev ici que vous commencez à diaboliser. Ce sont les Kalev qui sont allés là-bas pour aller dire à Kagame de laisser tomber cette affaire-là. C'est Joseph Kabila qui a appelé Mbeki, qui a appelé Zuma, pour dire ce qui se passe ici, c'est de l'impérialisme. Alors c'est différent. Oui. Donc, le FCC n'avait pas de relation avec Kamere pour dire non, on doit respecter les relations avec Kamere. Le FCC avait des relations avec Félix. Et Félix, c'est lui qui est tout en sachant qu'il a des relations. Non, la responsabilité appartenait au président de la République. Parce que le FCC n'avait aucun autre engagement. Il appartient à celui qui avait des engagements de dire non, j'ai des engagements. Mais regardez ce qui se passe. Il a répudié l'engagement avec Kamere parce que maintenant Kamere, elle a été condamnée. On dit qu'il ne peut pas exercer ses droits politiques pendant, je crois, 20 ans. Mm-hmm. Voilà. Donc Kamere mettait une croix. Il est en appel, attention. Il est en appel, mais maintenant que nous parlons, c'est une croix. Mm-hmm. Bon, maintenant, au FCC, c'est la même chose. Et écoutez, il y a une autre révélation. C'est que quand le président de la République a fait sa déclaration, certains diplomates qui sont amis, qui aiment, parce que tous les diplomates ne sont pas anti-Congo, on dit quand même c'est très dangereux ce que vous faites, vous venez de très loin, venez un peu quelques amis, expliquez-nous. Mais un diplomate, le président a envoyé ces gens, le FCC a envoyé ces gens, les diplomates sont assis, ils sont en train d'expliquer. Un diplomate a eu le courage quand même de parler aux gens de Cache pour dire, mais mes frères, vous, tout ce que vous dites là, c'est ce que vous dites. Mais il semble que vous, la divergence est aussi sur deux choses. C'est que vous voulez qu'on puisse recomposer le gouvernement et que vous puissiez avoir 50% de postes. Alors qu'eux, ils avaient qu'un ratio de 12% au début. Et c'est le FCC qui a pour dire non, pour la paix, tout ça, on vous ramène, alors que vous avez droit qu'à 12, on vous ramène maintenant 5. Maintenant, ils veulent avoir 50. Mais est-ce que le problème, je vous relance, est-ce que le problème c'est au niveau du gouvernement, Kabasubabu, ou plutôt le problème c'est au niveau de la recomposition de la majorité parlementaire, lorsqu'il a parlé notamment de l'Union sacrée? Non, ça vient après. Rappelez-vous, ça vient après. Attendez, je termine. Oui. Maintenant, la deuxième question que le diplomate pose, c'est de dire, mais vous, il semble aussi que la difficulté, tout ce que vous faites là, des gesticulations, en réalité, c'est parce que vous voulez remettre en question votre engagement de soutenir les autres pour 2023. Vous voulez maintenant que ce soit vous. Ils ont mangé dans la bouche. Ils ont littéralement mangé dans la bouche. Voilà, maintenant, vous parlez de la recomposition de la majorité. Mais c'est ça, justement, quand je dis la constance de l'inconstance. Parce que en amont, n'oubliez pas que l'UDPS est resté, pour moi, l'UDPS que moi je connais, l'UDPS dans une large mesure est resté UDPS dans son modus operandi. L'UDPS a battu campagne contre cette constitution.
L'UDPS a dit que cette constitution était bidouillée par des gens qui ont les sang dans les mains, par les laquais des laboratoires en Belgique, etc. L'UDPS a rejeté cette constitution. Et même qu'avant, peu après la déclaration de résultats, c'est qu'on a tous jubilé parce que c'est déroulé dans la paix, etc. etc. Malgré le fait que beaucoup de gens de l'UDPS, moi j'ai déboulé, les gens ont chanté « Oh, Kabila, moi, je suis un peu plus chima, Ah, il faudrait traduire. Oui, ça veut dire que « Ah, Kabila a fait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, Kassaïen, on disait que nous ne pouvons pas avoir le pouvoir. Maintenant, voilà ce qui dit au pouvoir. » Ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, les gens disaient que non, non, nous ne pouvons pas accepter de ne pas avoir la majorité. Donc, le plan de chercher à renverser la majorité ne découle pas des divergences. C'est un plan qui date d'avant même, qui est maintenant, si vous voulez, éclatement de mise à jour de divergence. Donc c'est un, parce que n'oubliez pas que le président de la République, en termes de socialisation politique, c'est quelqu'un qui est né et qui a grandi dans les systèmes où l'imaginaire du pouvoir, c'est l'imaginaire d'un pouvoir total qui ne peut pas être contraint et limité par un quelconque pouvoir. Et maintenant, malheureusement, les gens qui sont... Là, c'est les mots boutistes. Oui, oui. Maintenant, malheureusement, les gens qui sont tout... Moi, vraiment, mes frères, j'ai l'impression que je vais finalement arrêter ces histoires de réflexions ou d'intellectuels. Parce que c'est tellement... ça dépasse l'entendement. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est né après 1960, qui est pratiquement de mon âge, aille chercher comme conseiller politique des traduits politiciens en obsolescence épistémique fondamentale, des vieux mots boutistes qui ne sont jamais exorcisés du mobutisme impérial, là, ça devient eux. Alors, les cheveux blancs est une bibliothèque vivante. On le voit. Si vous parlez aujourd'hui, si vous parlez avec quelqu'un comme... Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a, dans la République, dans le pays, on a une personne. Si vous avez cette personne, vous vous abreuvez, vous avez une sorte de délectation intellectuelle. Monseigneur Tshibangu Tshishiku, quand vous allez chez lui, il a les cheveux blancs, mais ça vous fait tressaillir de joie en tant qu'intellectuel. Voilà. Mais la plupart, ils ont les cheveux blancs, mais ils sont d'une déficience discursive tout à fait sidérante. Pour clôturer, je veux dire, en ce qui concerne, c'est-à-dire que le président de la République n'est pas un mauvais monsieur. Si vous voulez me dire que Tshisekedi est diabolique, je vais vous répudier de manière la plus radicale, la plus drastique. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un de cohérent, c'est quelqu'un de structuré. Malheureusement, il connaît comme une sorte de syndrome du bruit. Le syndrome du bruit, c'est quand on veut... Vous savez, je suis en train de finaliser, ou j'ai finalisé un essai en deux tomes, l'esprit du pouvoir et le pouvoir de l'esprit. La thèse majeure, c'est de dire qu'il y a dans le pouvoir, en dehors des gens qui vont y aller, le pouvoir, c'est comme une entité qui est là-bas. En lui-même, il a ce que les Américains appellent « the power » ou la puissance du pouvoir. Il a comme un esprit, tel que votre personnalité, la manière dont elle est votre personnalité, qu'elle est forte ou faible, quand vous entrez dans cette chambre noire du pouvoir, c'est ce qu'on appelle les syndromes du Brice. Votre personnalité change, votre regard du monde change. Il faut avoir une forte personnalité pour rester cohérent, voyez-vous. Et donc, aujourd'hui, la vérité, c'est que les consultations, l'union sacrée, parce qu'encore, l'union sacrée, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une invention. Mais il y avait une union sacrée, non? Avec Étienne Tshisekedi, il y avait une union sacrée. Félix Tshisekedi n'invente pas la roue. Les gens de l'union sacrée, là, ils sont venus parce qu'il y avait en perspective la nomination d'Étienne Tshisekedi comme Premier ministre. Et dès que, après quelques jours, Mobutu a démis Étienne Tshisekedi de ses fonctions, ils ont disparu, ils ont laissé Étienne Tshisekedi sur la route. Mais les gens qui consultent là, ce n'est pas des hommes, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ont travaillé avec Kabila. Vous ne pouvez pas dire que Kabila porte une mauvaiseté incurable et nous faire croire que les gens là, qui ont travaillé avec lui pendant 14 ans, 15 ans, sont subitement devenus angéliques. Sur le terrain du débauchage. Alors justement. Vous êtes un prédicateur de la non-dissolution du Parlement qui constitue pour vous un coup d'État constitutionnel. Là, on est d'accord. Mais pendant ce temps, l'FCC fait un communiqué pour appeler à des élections anticipées. Mais cela suppose la dissolution du Parlement avant tout. Oui, admettons que oui. OK. Mais en termes de pratiques constitutionnelles, je dis en termes des énoncés constitutionnels, ou même des pratiques... politique, que ce soit en France ou ailleurs, ça n'est jamais arrivé comme ça. Ça veut dire que quand on en appelle pour les élections anticipées, ça ne veut pas dire qu'on dissout l'Assemblée nationale. Non, l'Assemblée nationale reste
les députés, les sénateurs vont battre campagne. Exactement, oui. Et après, c'est d'ailleurs la meilleure... Ça, ce n'est pas selon notre constitution, attention. Non, non, il n'y a nulle part, Mais alors, nulle part où c'est écrit... D'ailleurs, nulle part où on parle, d'ailleurs, les élections anticipées ne sont même pas énoncées dans la constitution. Voyez-vous. Par contre, là où il y a... vous savez, en rhétorique ou en logique formelle, il y a un concept qu'on appelle l'aporie. L'aporie, c'est une contradiction insurmontable. C'est la démarche dans laquelle les présidents se trouvent. Regardez, même pour... On dit non, le président a parlé avec Moïse Katumbi, comme il est du Katanga, il va l'amadouer, il va devenir le prochain informateur, premier ministre, comme ça, il équilibre avec les Katanga, comme ça, il n'y aura pas... Mais comment vous allez faire ça? Parce que dans le contexte actuel, dans la configuration constitutionnelle, légale et légitime actuelle, vous ne pouvez nommer, il serait aberrant, irrationnel de nommer un informateur, parce que pour qu'on nomme un informateur, il faut que légalement et formellement, l'Assemblée nationale aille dans une procédure de l'Assemblée, c'est écrit dans ses règlements intérieurs, pour constater qu'il n'y a plus de majorité. Il faut qu'on constate qu'il n'y a pas de majorité. D'ailleurs, c'est pourquoi l'article 78 dit que les présidents de la République nomment un premier ministre de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Ils nomment un informateur au cas où il n'y a pas de majorité pour trouver une coalition. D'ailleurs, la formulation phraseologique est lacunaire parce qu'on dit pour former une coalition. Mais il devait ajouter pour dire une coalition qui va former la majorité. Voyez-vous? Donc, on ne peut nommer un informateur que s'il y a constat légal, formel dans l'Assemblée, qu'il n'y a plus de majorité. Donc, vous ne pouvez pas de manière cavalière dire non, je nomme un informateur Kingand. Encore que même s'il désigne un informateur, Katumbi en l'occurrence, que je respecte beaucoup, c'est un ami, un frère, que je respecte beaucoup, c'est un moderniste, s'il le nomme, alors que la majorité à l'Assemblée n'a pas été de manière formelle déboutée, on serait tous dans la situation de Kimba. Mes frères, on se retrouve dans la société de Kimba. C'est-à-dire? Kimba, ça veut dire que Kassavubu a vu que Tshombe, avec sa Konako, a remporté les élections de 65, et la majorité est claire. Kassavubu, au lieu de... parce que Kassavubu avait aussi exactement les élans d'un présidentialisme impérial. Le régime de l'époque de Kassavubu, c'était un régime parlementaire, vraiment parlementaire, donc c'est même moins que la situation dans laquelle se trouve le président Félix. Et donc, Kassavubu avait aussi ces tendances-là d'avoir des pouvoirs au-delà de ce que le régime prescrit. Alors, Tshombe à la majorité, non, Kassavubu, parce qu'il voulait toujours être président en 65, là, il faut neutraliser Tshombe. Il refuse de nommer Tshombe, il nomme Kimba. Alors, on va faire ça. Après, Kimba revient encore pour la deuxième fois. Entre-temps, Mobutu fait son coup d'État. Voilà, entre-temps, Mobutu fait des coups d'État. Alors, donc, on a constaté, vous l'avez ressorti, qu'il y a effectivement des divergences entre le FCC Cash. Il y a également... Qui n'ont rien à voir avec une dimension idéologique. Tout à fait, on a compris. Entre-temps, ces divergences ont également occasionné une conséquence économique et sociale. Maintenant, pour le piste des solutions, et c'est par là que nous allons terminer, le CASH estime que le piste des solutions passe notamment par le consultation qui va donner une certaine... réqualifier la majorité et un nouveau gouvernement. Mm-hmm. Le FCC dit, on revient à l'accord, tandis que Lamouka lui dit les élections anticipées, oui, et puis le Haut Conseil national pour la réforme des institutions. Alors, vous êtes chercheur ni du FCC, ni du CASH, ni de Lamouka. La question est celle de savoir quelles sont les pistes de solution justement pour sortir de ces marges. Je pense que la piste de solution, la première piste de solution, c'est que le président de la République doit innover d'abord son propre, comme Madame Smith disait, son statementship, donc le leadership d'État. Le président de la République doit innover aussi ça. Parce que ça aussi, c'est l'une des causes de l'infécondité étatique actuelle. Il n'y a aucune innovation, il n'y a aucun projet propulseur, transformationnel. Donc, en toute humilité, comme on dit en Tshiluba, quand on dit la vérité... C'est pas tout le monde qui vous comprend. Non, c'est une langue nationale. J'ai fait la promotion de ma langue. Donc, quand on dit la vérité, la fraternité ne s'en trouve pas brisée. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut innover. Deuxième chose en ce qui concerne la politique, je l'avais dit à l'époque, qu'il n'y avait pas coalition, qu'il y avait simplement une juxtaposition. Parce que pour qu'il y ait coalition, mes frères, on parle, c'est du français. Moi, j'aime les français, bien que j'aime l'anglais mieux que les français. J'aime les français. Quand on dit coalition, ça veut dire coagulation. Il faut que ce soit formel. Il faut qu'il y ait unicité
organisationnelle, de la stratégie, même d'opérationnalisation. Mm-hmm. Il n'y avait pas coalition. Donc le président de la République est en train de remettre en question quelque chose qui n'avait pas existé au plan scientifique et au plan opérationnel. Donc, voyez-vous, il n'y avait pas coalition. Oui, il n'y avait pas coalition. On peut nommer l'informateur. Comme il n'y avait pas coalition. Non, non, la coalition, c'est autre chose. Parce que les FCC seuls s'en cachent à la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est de deux. De trois, il faut que le président innove la gouvernementalité. L'UDPS, ça fait 36 ans d'opposition. Il faut qu'il y ait une mutation de la gouvernementalité. Ça veut dire les raisonnements politiques, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous ai dit que j'étais parmi les gens... je suis le concepteur du séminaire du président avec les gouverneurs. On a même dit là-bas, c'est moi qui ai intégré cette résolution pour dire qu'il faut donner 3 milliards de dollars aux provinces pour leur reconstruction accélérée. C'était au mois de mars 2019. Il n'y avait pas Covid. Il n'y avait pas Covid. Hein? On a dit même qu'il faut évaluer les gouvernements provinciaux parce que c'est là que se passent les problèmes. Kinshasa n'est pas. Kinshasa, c'est 9000 km² ou quelque chose comme ça. Kinshasa, c'est peut-être moins d'un 10% de la République démocratique du Congo. C'est là qu'il y a les problèmes. Encore que ces consultations, les gangs qui ont un dro, qui ont la mambouche, il n'est pas concerné. Donc, leadership du président de la République, leadership du président de la République, nouvelle gouvernementalité, revoir la. Les modalités, les modes opératoires de la coalition, si c'est encore possible, c'est le point de vue de FCC. Je sais, oui. Bon, maintenant, mode opératoire, oui, hein, oui. Vous dites. Mais maintenant, il faut innover le gouvernement. C'est là où moi j'ai dit au FCC que le FCC aussi devait fournir des efforts pour innover son gouvernement. Le ministre, le premier ministre Ilunkamba, il n'est pas innovant. Il n'est pas performant, à mon avis. Alors, on vous sent vraiment chercher. Oui, il n'est pas performant, mais c'est la vérité. Ah, voilà. À plusieurs reprises, j'ai dit qu'on devait. Et d'ailleurs, il y a même incompatibilité entre l'idiosyncrasie, ça veut dire les traits de personnalité. Quand je dis idiosyncrasie, ça ne veut pas dire idiot. Mm-hmm. C'est un concept de psychologie. Idiosyncrasie, ça veut dire les traits, le profil, le caractère d'un individu. Les présidents de la République et les premiers ministres, il y a incompatibilité de idiosyncrasie. Nous réformons le gouvernement. Voilà. Hein. Il faut, mais écoutez, mes frères, mais on est en 2020. Moi, je suis fatigué d'aller à. Ah, on me demande, mais votre pays-là, on ne comprend rien du tout. On devait être loin. Voilà même que maintenant, l'économie de la Chine commence à revenir, 5%. Les États-Unis, son économie a fait croissance extraordinaire, 33%, mais 33% parce qu'elle avait perdu plus de 32%. Et donc, l'économie commence à remonter. Mais nous, on n'a aucun concept nouveau pour dire comment est-ce qu'on va relancer l'économie. D'où réformons le gouvernement. Sur ce même plateau avec mon frère et ami Yamba, que je salue en passant, j'ai dit que le président de la République doit arrêter de dire, on lui met dans la bouche diversification. Non! Diversification, ça veut dire quoi? Le cobalt, on le transforme. Mais vous allez le vendre où? Si vous transformez le cobalt, vous faites des cathodes de cobalt. Où est-ce que les gens vont manger ça ici? Vous allez vendre sans quoi à l'extérieur? Non, vous serez toujours dépendant de l'extérieur. Il faut combiner la diversification avec la densification économique. C'est un concept même que certains économistes de l'université ne comprennent pas. Voilà. Densifier, ça veut dire il faut créer des industries qui répondent aux besoins et pour lesquelles il y a déjà de l'offre. Dans le pays. Mais voilà, on fait des consultations qui nous vont accoucher de rien de nouveau, parce que les gens là, qui sont allés là-bas, est-ce que jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu dans les médias, on dit non, tel est venu avec un concept nouveau, avec une idée nouvelle? Non, ils parlent toujours de la même chose. Voilà. On termine par là. Hubert Tabassoubabou, accord FCC Cash. Vous pensez que selon les FCC, ça serait l'unique façon de pouvoir rétablir les choses? Non, moi je pense que les FCC devraient plutôt, à mon avis, c'est vrai, les dialogues c'est bon, oui. Mais les FCC peuvent aussi dire non, faisons la cohabitation républicaine, là, ce qu'on appelle la coexistence civilisée, c'est possible. Cela peut passer aussi par les consultations pour dire la vérité. Mais ce n'est pas cette modalité-là. Tout le monde, tous les chercheurs disent que les consultations, c'est lorsqu'il y a une légitimité des institutions. Kabila l'a fait parce qu'en 2016, il n'y a pas eu d'élection, donc il l'a fait. Voilà. Alors, merci beaucoup, Kabassoubabou. Nous pensons que vous avez répondu à toutes les préoccupations des amis téléspectateurs, mais de toute façon, on n'en terminera jamais. Josué Foutila, merci beaucoup de passage sur le plateau spécial. Kabassoubabou, nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. Hein, ce n'est pas la dernière fois et je voulais souligner que dans le média, ce n'est plus Hubert Kabassoubabou, c'est Imhotep Kabassoubabou. Parce que Hubert, c'est un nom catholique, un nom occidental. Je veux avoir un nom africain, d'un égyptien. Merci beaucoup, Imhotep Kabassoubabou. Si vous avez aimé cette émission, justement, madame, messieurs, c'est grâce à la grande équipe. Je vois là Carlos Pacassa, je vois là Nono Numbi et tous les autres. Merci à vous pour votre patience et votre attention soutenue. Plateau spécial revient plus tard. D'ici là, portez-vous bien.